l'agence 06, elle a été créée il y a maintenant un peu plus d'un an. C'est une agence d'ingénierie territoriale au service des communes rurales du département et des deux EPCI que sont les communautés de communes des Alpes-Maritimes. Alors l'agence 06, elle a pour objet d'aider les communes à réaliser leurs projets. Voilà, elle apporte une assistance à maîtrise d'ouvrage, quel que soit le domaine d'intervention, effectivement aussi bien d'un point de vue juridique, technique, pour permettre aux opérations de sortir. Nous avons tout de suite adhéré à l'agence 06, dans la mesure où, assez rapidement, nous nous sommes rendus compte qu'effectivement, nous avions besoin de soutien technique, d'appui technique, de conseils en ingénierie, et que c'était là, effectivement, que le bât blessait, puisque nous sommes une petite commune et donc nous n'avons pas, effectivement, les effectifs. Et donc, la création d'agence 06 répondait parfaitement à notre besoin. Si on veut développer des projets, on a besoin d'experts, on a besoin de compétences, on a besoin également d'expérience. Et c'est là que, j'allais dire, Agence 06 remplit complètement sa mission. Pour la commune de Cipierre, nous avons fait une première réunion d'identification des besoins et dans l'identification des besoins, il est ressorti le besoin de créer une école primaire de deux classes. Nous avons travaillé avec eux sur la faisabilité, ils avaient déjà un bureau d'études qui avait fait une première faisabilité. Nous avons ensuite monté un programme avec un cahier des charges pour les aider, les accompagner à choisir et à désigner le maître d'œuvre, et nous accompagnerons la commune jusqu'à la réalisation et à la livraison du projet. C'est un vrai plus pour nous parce que c'est les professionnels qui nous soutiennent, qu'on peut avoir à tout moment au téléphone, par visio. Donc on est vraiment content de ce partenariat et qu'on va continuer, je pense, pendant de nombreuses années. Prendre les décisions qui s'imposent, avoir les bons interlocuteurs. Aujourd'hui, nous avons fait une magnifique réunion en mettant tous les acteurs autour de la table, dont l'agence 06, qui a, elle aussi, œuvré pour que tout le monde soit en phase et que l'on puisse prendre une décision qui me permette de dormir mieux ce soir. Parce que c'est très compliqué quand on est tout seul. Alors l'agence 06, elle est composée d'une dizaine de personnes, de 10 personnes actuellement. Et dans ces 10 personnes, nous avons des juristes, nous avons ingénieurs bâtiments, ingénieurs infrastructures et effectivement toutes les composantes qui nous permettent d'aider les projets du début à la fin. Donc quand je dis du début à la fin, ça veut dire d'aider effectivement à la programmation d'un projet, permettre grâce à l'assistance à maîtrise d'ouvrage de pouvoir prendre des maîtres d'œuvre pour réaliser les projets et effectivement après suivre les chantiers afin qu'ils se réalisent dans de meilleures conditions. Concrètement, mon travail, c'est que en fait, quand les techniciens, mes collègues, vont sur le terrain rencontrer les maires, après ils viennent avec des projets et donc du coup, derrière, ça implique des marchés publics, donc des contrats que j'ai en charge de rédiger pour le compte des communes adhérentes. Donc mon travail, c'est de les rédiger, de faire en sorte que après les travaux en charge avec les techniciens se passent bien. Enfin, l'apport de l'agence, en tout cas les juristes, c'est de donner un contrat qui soit le plus fiable possible pour que le chantier se passe bien. Et ce service, l'agence 06, pour nous, pour les petites communes, c'est un service qui nous est plus que très utile. Dans la mesure où nous n'avons ni service technique, ni service juridique. Et on est dans une période où monter des appels d'offres, surtout sur des chantiers comme ça, ce sont des opérations très compliquées. Ils l'ont géré non seulement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avec un très grand professionnalisme, mais avec une rapidité remarquable. Alors, l'agence 06, c'est aussi faire des plans d'aménagement, des plans guides à l'échelle d'une ville, à l'échelle d'une commune. En ce sens, nous sommes aidés par la Banque des Territoires qui finance Agence 06 et qui permet de soutenir le programme Petite Ville de Demain pour lequel 6 communes du département ont été retenues.
Cette aide de l'agence 06, elle se voit sur différents secteurs d'intervention. On a une aide administrative qui est très importante et qui nous permet par exemple de lancer un marché public d'experts d'assurés, en sachant qu'on n'a pas en interne les capacités pour mettre en place ce type de procédure de marché public difficile et inhabituelle. Elle nous apporte une aide technique, notamment dans la réhabilitation d'un ancien bâtiment SNCF, d'un ancien presbytère de Libre qui est un élément de notre patrimoine. Et puis, elle nous aide plus généralement à travailler sur un aménagement d'ensemble de la commune. Parce qu'on a des dégâts tellement importants, notamment sur les berges des cours d'eau, qu'il est nécessaire de repenser tout l'aménagement des berges, le positionnement des différents équipements publics. Et pour ça, elle nous accompagne dans la réalisation d'un cahier des charges, dans la conduite d'une étude, afin de travailler véritablement à redonner un beau cachet, un bel aménagement cohérent pour notre commune de Breil-sur-Roya. Nous, Amont Association, nous avons un contenu à proposer. Maintenant, il faut le mettre en forme, il y a des normes à respecter. Donc ça fait appel à un certain nombre de fonctionnalités que nous ne pouvons pas posséder ni dans l'association d'ailleurs, ni dans la commune. Ce qui fait peut-être la force de l'agence de pouvoir apporter des vrais professionnels et puis des personnes surtout à l'écoute. Alors, ce qui nous a paru très important aussi, c'est que dans cet échange, effectivement c'était un échange constructif dès le départ, avec des personnes prêtes à s'investir sur un vrai projet long dans le temps et en même temps capables d'apporter des réponses concrètes en fait, à des propositions techniques ou culturelles qu'on pouvait faire au sein de l'association. Ça a été un très gros facilitateur parce qu'en fait, si vous voulez, nous, comme je vous disais, on n'a pas forcément les compétences, donc on est allé très vite et surtout, ce que je voudrais dire, c'est qu'en fait, au bout d'un an, on se rend compte que ce projet du musée, il va être mis en place, alors qu'en fait, il y a un an en arrière, vraiment, jamais on n'aurait pu imaginer que ça serait allé aussi vite. Et de se dire que ce musée, il va prendre forme bientôt, ça nous donne beaucoup d'espoir pour tout ce qu'il y a à reconstruire dans le village. La tempête Alex a occasionné pas mal de dégâts sur les équipements. Il y avait environ 40 cm de boue en moyenne sur l'ensemble des équipements, c'est-à-dire tennis, stade de foot. L'agence 06 nous a aidé à monter le projet et le marché. Ensuite, on a donc choisi un maître d'œuvre et on est parti ensuite en phase de consultation pour les entreprises et avec le choix des entreprises qui a été fait en juillet et le chantier qui a démarré au mois d'août. C'est une aide que nous apportons aux communes, aux intercommunalités. Nous pouvons leur faire un accompagnement en ingénierie. Ingénierie sur le plan administratif, sur le plan technique et sur le plan juridique. Pour reconstruire les territoires dans le cadre de la tempête Alex, pour apporter une aide que les maires sollicitent de plus en plus fréquemment, pour avoir des dossiers qui soient montés rapidement, qui soient instruits rapidement sur le plan financier, qui soient aussi respectueux des règles de procédure d'appel d'offres. Nous avons un sujet qui est immense, une attente qui est très importante. Nous portons aide et assistance.